Allez, de retour avec notre ami Mac, vous êtes avec Olsan, on est reparti pour nos épisodes avec le ferronnier. On avait pour objectif aujourd'hui d'aller visiter les bâtiments qui sont juste à côté de l'usine, à savoir tous les box qui sont là. Nous avons besoin de retrouver tout ce qui est nécessaire pour la métallurgie, à savoir le masque de soudeur, à savoir le chalumeau, bref, beaucoup de choses. On a pas mal de caisses ici, est-ce qu'on se fait une base dans cette partie là? Je sais pas encore, est-ce que ça serait vraiment intéressant? Remarque, vous me direz, juste à côté il y a quand même, la station de service, ce qui pourrait être pas mal. Ça demanderait juste de modifier un petit peu cet endroit pour le réduire dans un premier temps. On pourrait déjà faire un premier truc ici là. On pourrait faire un premier truc ici, faire, je sais pas, faire un mur de caisse à la limite, je sais pas. Ouais, faire un mur de caisse, en vrai, ça serait pas mal. Parce que là, le but, c'est pas de monter la menuiserie, mais plutôt la métallurgie. Donc, écoutez, ça serait pas mal de faire ça. En sachant que si je voulais déplacer ça, par exemple. Qu'est-ce que ça me dit ? Ah, il faut la menuiserie. Alors, c'est marrant parce que c'est des trucs en inox. Mais il faut le niveau 2 de menuiserie. Bon. Et pourquoi pas. Je regarde vite fait ce que j'ai dans mon inventaire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même pas mal de trucs à manger. On va manger un petit coup. En vrai, je vais laisser tout ici, du coup. Si on s'installe là, ça sert à rien d'embarquer le nécessaire. Alors ça sera peut-être une première base et on se déplacera peut-être par la suite. Je sais pas trop encore. En sachant que vu qu'on a un ferronnier, j'aimerais bien quelque chose, une base dans la thématique. Ça, on verra par la suite si soit on se la fabrique peut-être de A à Z, une possibilité, soit on trouve quelque chose qui est cette thématique là. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pour info, on est à West Point. Et on est sur le sud de la ville. Alors, c'est parti pour aller visiter les box là-bas. Alors attendez, par contre, je sais pas s'il y avait un pied de biche là-bas. J'ai pas regardé. Alors j'ai regardé la dernière fois, mais je me souviens plus. Là, pour un coup, pour le coup, un pied de biche, ça serait intéressant. On se calme. Hein. On se calme. Alors, il y avait que dalle. J'entends du Z. Hein. Très bien d'être discret. Allez, un petit pied de biche là, ça serait cool. J'ai quoi comme gants là? Parce que je vois que j'ai des gants de soudeur dans le truc. Et gants de soudure, nickel. On commence à être dans la thématique. On commence. C'est que le début. Ok. Je sais ce que je vais faire. Ah, je fais des allers-retours, désolé. Le gars qui arrête pas de changer d'avis. Je vais prendre une hache tout simplement. La hache de pompier, au moins je pourrais ouvrir les box. C'est pas parfait. Ah, je commence à avoir quelques idées là. Pour la base.
commence à avoir des idées. On va déjà looter tout ce qu'il y a là-bas. Dans un premier temps. Ça sera déjà pas mal. Si je démonte du Z à l'intérieur... Oh, il y a Freddy Krueger là. Si je démonte du Z à l'intérieur, normalement j'ai les clés de tous les box, non? Ça devrait marcher comme ça. Logiquement. On va faire ça, on va tuer du Z à l'intérieur. On va essayer de récupérer des clés. Il est où Freddy? Il est là. Excellent! Voyons voir. Ah, il y a les mains de Freddy, quoi, les gars. Voyons voir les mains de Freddy. Et en plus, c'est pas mal. C'est Wolverine, quoi. Ok. Est-ce que... Ah, dommage, j'ai trouvé ça. On va rester comme ça. Après, c'est pas très beau. Hein. Bon, vas-y, on va rester avec les gants de soudure. Ah, mais c'est un truc en plus. Ça se met en plus des gants. D'accord. Pourquoi pas. Alors, on va essayer de... Oui, les clés. On va se rentrer du Z à l'intérieur, en fait. Et parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Là, il y a du monde. Je voudrais pouvoir les tuer dedans. Ah, je vais pas pouvoir. Bon. J'ose espérer qu'il y ait une clé parmi ceux qui sont tombés à l'intérieur. On verra bien. Normalement, il y a des box qui contiennent des lits à l'intérieur, donc on essaiera d'aller y dormir. Voilà. Je vois que je suis fatigué déjà. Un petit peu essoufflé. Il y a des Z partout par contre. Alors, ben voilà les clés. Parfait. Parfait. Il y a des lits par là. Peut-être pas là. Et quoi, on va dormir là. C'est aussi bien. Voilà, parfait. On va pouvoir explorer l'intégralité de ces box. Je pense qu'on va trouver des trucs intéressants. La couture, pour l'instant, non. Je suis pas un couturier, bordel. Ah, canne à pêche. Je pense pas qu'il y a un lac ici. Vraiment rien d'intéressant pour le moment. Boîte de vis. Ça peut être bien. Très bien.
Ah putain, ça marche pas pour les box la clé. D'accord. Bon mais heureusement qu'on a la hache alors. J'aurais préféré un pied de biche mais bon. Bon, ce qui est bien c'est qu'il y a aussi des groupes électrogènes. On va peut-être se déplacer en fufu. On va forcément attirer des aides en tapant avec la hache. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Donc au moins être discret après. Ça pourrait être pas mal. Ok. Putain, c'est... C'est fou que ça ouvre pas les box. En fait, je pense que le jeu considère que c'est une pièce à part entière à chaque fois. Du moins un bâtiment à part entière. Alors... ça, on peut peut-être prendre... Ah, des baguettes de soudage. Ah, ça, c'est un premier truc intéressant. Même le tuyau en métal, en vrai, ça peut être pas mal. On commence à avoir les premiers ingrédients. Alors, c'est pas les plus intéressants. Mais c'est déjà pas mal. Bon, là, il n'y a que dalle. J'ai la flemme d'aller déplacer les caisses pour regarder derrière, en vrai, les gars. Ok. Si on avait regardé ici, je crois pas. Okay. Oh, c'est pas mal. Baguette encore, trop bien. Oh, le réservoir à propane, j'avais même pas fait gaffe. Bon, là, on va être trop plein. Là, on va être un peu plein, c'est pas grave. On va casser peut-être ces box. On peut. Ouais. Il y a des lits en plus, on va pouvoir récupérer des lits. Et on va partir emmener ça déjà. Parce que là, en vrai, on a déjà une grosse partie de ce qu'on a besoin. Et bon, le gros problème, ça va être les aides. Ah, je vais être trop lent. Allez, s'il vous plaît. Ok. On va vérifier ça. Ça va être casse-couille parce que là, il faudrait que je passe par-dessus. Non, je vais me blesser. Déjà que... Ah putain, les gars, je suis trop content. On a... Allez, il nous manque le chalumeau, le masque. Je pense que ce sera pas si compliqué à trouver. Surtout à l'endroit où on est. Je pense qu'on a fait le plus dur. Ouais, je pense qu'on a fait le plus dur. Et alors, où c'est que je vais... Ouais, je pense que je vais essayer de me concentrer là-bas, là. Ça me paraît bien. Pour l'instant, on va pas s'emmerder, on va tout poser au sol. Et des aides. Et... Eh, en vrai, on est pas mal. Bon, regardez, est-ce qu'on est encore en... Non, on est plus maigre en plus.
voulais voir ça aussi. Ah, nickel. Nickel, nickel. On va se déplacer ça. Si. Putain, d'accord, il y a un Z qui arrive. Je pense qu'on va nettoyer la zone. Je vois qu'il y a quelques aides qui traînent. Oh, sympa. Sympa le costume. Bon, là, pour le coup, je suis en train de le dépouiller le costume. Ouais, on va nettoyer. Je pense qu'on va nettoyer l'usine. Forcément des gens ici. On va reprendre la machette. Un peu essoufflé, ça c'est con. Alors j'ai des souvenirs. Des souvenirs ici qui sont pas forcément des bons souvenirs. C'est un endroit où on avait essayé précédemment de s'installer il y a fort longtemps. Et où on était mort. On va faire vraiment gaffe. Hein. Il y a du monde qui arrive. Je pense que c'est pas plus mal qu'on s'en occupe maintenant de ça. Quand je vois le nombre qu'ils sont, ça aurait pu faire. Ça aurait pu faire des problèmes. Il n'y a pas un interrupteur quelque part là pour allumer là. Il y en a un là. Un vélo. Ok. Je vais fouiller un petit peu la zone. On va faire en sorte que ça soit à Versailles ici. On a aussi un truc d'eau et franchement on est... Je pense qu'on est pas mal ici. On est pas mal. Par contre je vais aller dehors, on va s'occuper de tout ce qui traîne. Ils sont nombreux mais c'est pas grave. Oh, y a des gros groupes en haut. Et... Allez mon petit, faut rien lâcher. Parfait. Pour un ferronnier, qu'est-ce qui serait la meilleure arme, vous pensez là? Un katana. Katana du ferronnier. Oh putain, la camionnette. Elle est pas mal cette camionnette. Mais il y avait du monde à l'intérieur aussi. Faut que je trouve une combinaison. Une combinaison serait pas mal. Si possible, pas trouée quoi. Ok.
Des véhicules intéressants là. Le bleu me plaît bien là. Oh. D'accord. Pourquoi? Pourquoi vous êtes aussi nombreux ici? Purée, mais... Ne pétez pas le portail, s'il vous plaît. Je tiens fortement. Hein. Ok, et petit dernier pour la route. Parfait. Ça a l'air calme. Ok. Alors, une question me taraude. Est-ce que ce kit là, est-ce que je peux juste le démonter ou est-ce que je peux l'utiliser? Je crois que c'est juste pour être démonté. Moi je pensais qu'on pouvait carrément le placer quoi. Ou alors il faut des. Peut-être qu'il faut des outils sur nous pour. Je sais pas. Placer l'objet. Non, non, c'est. Je pense que c'est juste pour être démonté. Hein. Et ça, c'est dommage. Bon, il faudra qu'on vérifie cette info-là. Alors. À la mesure où on va mettre des... Alors attendez, ça, je peux le démonter ou pas? On va le mettre là. Donc là, le but, ça va être de récupérer tous les bidons. Là. Tous les bidons, on va faire un mur de bidons. Ça va être une première étape. Comme ça, on sera quand même protégé, ça va réduire un petit peu le l'endroit où on est. On a des étagères métalliques et tout, donc on pourra peut-être faire un truc ici. On va tous les mettre, hein. On va faire vraiment un truc épais. Du moins tous. Ah si, il y en a là-haut aussi. On peut peut-être se faire deux lignes. Ce que vous en pensez, mais ça sera pas de trop. Hein. Parfait. Ce sera notre première étape. Il va y en avoir d'autres, beaucoup d'autres. Génial. J'aime beaucoup le mode qui rajoute les petites animations là de transport. C'est excellent. Et ouvrir un peu. Ça n'a pas l'air de s'essouffler avec le petit chariot. Très pratique. Et comme ça, on aura deux lignes ici. J'aimerais bien arriver à bloquer la porte aussi là-bas. Alors, j'ai repéré un drap là dans le couloir. Le but de la survie, là pour le coup, c'est avec le ferronnier. Mais avec ces thématiques survie, c'est de suivre vraiment la thématique. On est dans la peau du ferronnier. Si on est dans la peau du ferronnier, ça veut dire que on va essayer de se comporter comme si on était spécialisé dans ce métier-là.
Donc on va pas faire de menuiserie, ou du moins on va essayer de pas en faire, de quasiment pas en faire. Et on va essayer de se débrouiller avec nos compétences. Donc là, vu qu'il faut pas de compétences particulières pour déplacer les bidons, on va l'utiliser. Le but, ça va pas être de faire un mur, quoi. Par contre, quand on aura tous les outils, on utilisera ces compétences-là pour créer des étagères, créer des protections en métal. Voilà, comme un vrai métallurgiste. Un vrai ferronnier. Voilà, on a un petit mur de bidon. En plus, c'est toujours dans la thématique, c'est génial. J'espère que ce type de série vous plaît, les gars. Trouvez le concept un petit peu original. Mais dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre retour en vrai. Ok. Bon, le seul truc qui m'emmerde, c'est que ces étagères-là, on puisse pas les déplacer sans avoir des compétences en menuiserie. Alors, ce qu'on pourra faire, c'est soit regarder une émission. Mais je sais pas si on peut récupérer une télé là-bas, peut-être. Soit récupérer une télé pour regarder l'émission pour passer level 2 en menuiserie. Sans forcément travailler le niveau. Soit, mais ouais, il fait nuit, on va en profiter. Tant qu'il fait nuit, on va essayer d'améliorer la base. Soit, faut trouver un moyen de les fabriquer avec la métallurgie. Je pense que ce sera possible aussi. Il m'a suivi, lui? Alors, il y a un moment donné, on sera peut-être obligé d'utiliser des compétences de notre métier. Notamment, peut-être. Peut-être. Je dis bien peut-être l'agriculture. Mais en vrai, vu qu'on n'a pas besoin de compétences pour l'agriculture. Ouais, on n'a pas besoin de compétences pour l'agriculture. C'est pas ça que je veux faire. Enlever les rideaux. On prend des points d'agriculture, mais en vrai, on peut cultiver des légumes sans compétences. Donc, je pense qu'on peut se dire qu'on peut le faire. Hop. Merde. Ah. Vous voyez pas l'option. Bon, voilà, on a un départ de base. Ça me convient très bien. Ce qu'on va faire... On va manger un truc. On va manger un truc. Merde, par contre, toute ma bouffe est de l'autre côté, évidemment. C'est pas grave, on va y aller. Voilà. Et quelle heure? 4h30. On va manger, récupérer le truc de flotte pour se l'amener dans la base aussi. Parfait. Alors ça quand même, qu'on puisse pas déplacer ça sans la menuiserie là, ça fait chier. Ça me paraît pas ultra logique. Surtout sur des meubles en inox quoi. Manger ça. Je vais me prendre un truc avec moi parce que j'en aurai forcément besoin dans pas longtemps. Voilà. On va aller chercher le truc d'eau comme on a dit. Et une fois qu'on aura le truc d'eau, ben on est bien. En vrai, on est bien. Je vais fermer ça, ça va limiter un petit peu le passage des aides. Parfait, une réserve d'eau. Pour le début de game, c'est très bien. On va essayer d'aller récupérer aussi un canapé là-bas. Le vélo qui est devant devant la base, je pense qu'on va aller le récupérer aussi. Pour en avoir besoin. Voilà, ça c'est parfait.
nous permettrait de nous déplacer beaucoup plus vite. Moquette blanche. On en a besoin. Mais non, je vais la reposer où elle était. D'abord ici. En fait, c'est de la moquette au sol. Bizarre pour une usine, mais bon, pourquoi pas. Alors. Même qu'on fasse gaffe, il y a des aides pas loin. Il y a beaucoup de aides à la station. Hein. On va les attirer ceux-là. Alors, je prends le vélo, c'est vraiment provisoire. Je sais que le vélo fait pas de bruit. Pour démarrer, ça ira très bien. Et je pense que par la suite, on prendra une petite camionnette, quoi. Pareil, pour coller un peu plus à la thématique. Oh, il y a un deuxième récupérateur d'eau, là. Enfin, du moins, pas un récupérateur d'eau, mais vous avez compris. Normalement, avec le chalumeau, on pourra aussi faire un passage dans le grillage. Dans le grillage. Bon, on est de retour ici, parfait. Le jour va se lever dans pas longtemps. Il y a des amis Z à l'intérieur. Oh, il y en a un. Il y a peut-être même plusieurs, mais... Il y en a un. Oh. Complètement passé à travers. Hein. Il y en a un autre. Des fois, c'est un petit peu particulier le combat sur PZ. Il faut toujours penser à ce qu'il puisse y avoir un petit peu un bug au niveau des animations, quoi. Ça, faut toujours se mettre en sécu par rapport à ça parce que ça peut arriver tellement souvent. Allez, on va espérer trouver ce qu'on a besoin. Cagoule, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, on va le prendre. Bon, on n'est pas... On n'est pas jardinier, mais bon, pourquoi pas. Plus tard, ça pourra servir. La hache. Bon, j'ai plus la protection à la tête, mais... Vous savez, le style avant tout. Hein. Et si on trouve une télé, il faut penser à l'embarquer. Il y a les lits aussi à embarquer. On a pas mal de choses à ramener. Donc c'est vrai qu'un véhicule par la suite, ça serait quand même pas mal. Mais là, ça va faire trop de bruit. Il y a plein de Z partout. Il faudra qu'on ramène aussi des groupes électrogènes. Bon, ça devrait pas poser trop de problèmes. Il y en a pas mal ici. Ça nous permettra d'en mettre un à la fois à la station service. Et un à la base. Et on a un fauteuil ici. Qu'est-ce que c'est ça? Maintenance de véhicule. D'accord. Bidon d'essence, on va le prendre. Et on n'est pas mécano, donc... pas forcément ultra intéressant pour le reste. Bon, j'ai confiance sur le fait de trouver tout ce qu'on a besoin. Ah, c'est vrai qu'on a les matelas là. Putain, les matelas, ça va être très très bien. Oh. Putain, on a du 12 ici. Ça, c'est juste parfait. Hein. En bonne quantité en plus. Je vais peut-être déplacer la caisse. Waouh. Wow. Okay.
au poster. La mécanique à nouveau. Une hachette, pourquoi pas. Oh, supermarket, ça c'est bien ça. Ça c'est plutôt très bien. Alors. On va faire nos courses. Hein. On va faire nos courses. Et de la corde. Très bien la corde aussi. Ah. Ok, bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... niveau des box d'à côté. Hein. Il y a l'air d'y avoir du monde en plus. Je me souvenais pas que dès qu'on cliquait sur le bouton droit, ça, ça enlevait le caddie. C'est parfait parce que ça va éviter de se faire croquer. On va se centrer le caddie au niveau des box, comme ça on n'a plus qu'à. Mais non, ça ne marche plus là. La molette, pourquoi pas. Un deuxième bidon, pourquoi pas. Bon, les livres, on verra plus tard. Hein. Sympa par ici. Il y a beaucoup de trucs. Ah, il y a beaucoup de trucs de merde. Ah putain, déjà fatigué, sérieux. On va boire du... On va boire. On va grignoter du café. C'est très bien le café comme ça en grain directement. Moi perso j'adore, j'en prends tous les matins. Vous sucez 2 grains de café, vous êtes au top pour la journée. Oh, hache de bûcheron je prends. On a quelques loot intéressants les amis. En vrai, je pense qu'on partira directement avec notre caddie à la maison. Ça me semble plus intéressant. Vu la contenance, pourquoi se priver quoi? Ok. On va essayer de finir l'intégralité des box. Pète un moment ou comment ça se passe? Il y en a deux qui vont péter en plus. Essoufflé, je suis essoufflé. J'ai pas le temps de me reposer 5 secondes là. Et il pète pas. Hein. Allez, on est parti. C'est marrant quand même de trouver plein de trucs de couturier alors qu'on est métallurgiste. Du moins ferronnier. Allez. Récupère les, tout ce qui est plaques de métal et tout. Qu'on a le caddie. Pourquoi se priver, on en aura besoin. Et pète! Pète, pète! Allez!
Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Pas grand-chose. Boîte de conserve vide, mais génial. Je rêvais justement de ça. Ça serait bien de trouver un pied de biche. Hein. On va pas se mentir là. Allez. Bon, ça me dire, est-ce qu'on va vraiment trouver ce qu'on cherche? Je sens qu'on va galérer à trouver le chalumeau. La scie de jardin, on l'a déjà. On va chercher le chalumeau pendant très longtemps, je sens. Ainsi que le masque de soudeur. Là. Ah, je le sens. Je le sens la douille arriver. Là. Quand maintenant, ça se passait plutôt bien. Je sens la douille arriver, les gars. Ça, c'est très bien, des plaques de métal. Pas ce qu'on veut. Non, mais je me plains pas hein, non plus, mais... On l'a visité ici déjà. Ok. Voilà, un pied de biche serait tellement plus satisfaisant. Rien du tout. Putain. On va y arriver, on va y arriver. On n'est pas pressé, les gars. Qu'on va faire une petite reposette. On y a été dans ce box là. Pas souvenir là. Si. Hop là. Allez. Petite reposette. Ben en vrai, on aura fait tous les box. On aura tout fait là. On aura tout fait. Il y a des aides autour, mais ça va. Attends. On va pouvoir commencer à créer notre base, se poser. Être bien, passer de bons moments. Bon, il y a des nuages. Ou du brouillard, je sais pas ce que c'est là qui est en train de passer. Et on a quelques plaques de métal. Putain, il va nous manquer vraiment l'essentiel quoi. C'est vraiment les deux pièces qui sont le plus importantes. On commence à avoir l'habitude de se faire douiller par le jeu dans tous les cas, donc ça va. C'est pas comme si on savait pas. Ah, menuiserie, j'ai pris un level déjà. On est quel jour? Jour 3, il y a encore des émissions, bon. C'est vrai que je les ai toutes plus ou moins ratées. Allez. S'il te plaît. Ouh, ça sent bon. Vu ce qu'on trouve ici, ça sent bon. Allez, s'il te plaît. Non, mais pourquoi des Lego là? C'était bien parti. C'est si bien parti, putain. Bon allez, c'est pas grave. Bon les gars, il nous manque l'essentiel. Alors que faire? Ben, on va déjà revenir à la base. Dans un premier temps. Ah, ça me tient donc. Ça me surcharge. On va essayer de faire ça alors. Ah, ça a mieux. Ok, parfait. Je vais tenter de monter sur le vélo avec le trolley. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on peut déjà? On peut. Ah oui, on peut. Ah non, on peut pas. Ah si, on peut. Oh, joli! J'ai fabriqué un vélo caddie. C'est pas beau ça. Ah merde, on peut pas passer par là.
J'aurais le chalumeau, ça aurait été réglé. Remarque, j'aurais pu... Je vais m'en occuper à la hache. Ah, ça marche pas. Ah, la douille. La douille. Voyons voir comment on a fait tout à l'heure. On a fait ça. Je crois qu'on est même pas surchargé en plus. Le chariot caddie, regardez. Trop drôle. Avec tout ce qu'il y a dedans, je pense pas que ça soit stable le vélo. Mais bon. Pourquoi pas. Et il faut pas qu'on se fasse choper par les aides par contre. Ok. Là ça va. Wow. Doucement mon ami, doucement. Je pense qu'on a attiré du monde là, va falloir faire gaffe. Génial. On a fait nos courses. Bah écoutez, on est au top les gars. On est au top. Bon, la prochaine fois on ira dératiser un petit peu le tour parce que là, on a dû forcément attirer un petit peu de Z. Pas beaucoup, mais et peut-être quelques-uns. Donc ça, bah, la prochaine fois on nettoiera un petit peu la zone. Et puis, bah, écoutez. J'ai envie de dire, on n'a toujours pas le chalumeau, on n'a toujours pas le masque de soudeur, soit les deux trucs essentiels. Bon, j'ai du propane, ce qui est pas mal. Et ça rentre. Mais bon, il y a quelqu'un. Oh, mais il y a des canapés là, oh, on va se récupérer un canapé, ce sera très bien déjà pour commencer. Il y en a un là. C'est toi le fautif? Est-ce que c'est toi le fautif? Réponds! Que toi. Et il y a des gens dehors. Bon écoutez, on va s'occuper des 2-3 aides qui traînent là. Ça devrait pas être très long parce qu'il n'y en a pas là-haut. Ok, c'est ceux qui ont suivi mon vélo tout à l'heure en fait. Allez. J'aurais dû prendre ma machette en fait. Pourquoi je joue à la hache là? On est bon? Ça a l'air. Bon, bah écoutez les gars, je crois qu'on n'est pas trop mal. Bah, il est temps de dormir. Donc la prochaine fois, on continuera un petit peu la base et puis bah, on verra. On verra pour aller trouver le masque de soudeur et le chalumeau. C'est pas gagné. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Olsan.